Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Je suis rentrée de mon petit week-end. Je sais pas vous, mais moi des fois j'ai carrément la flemme de faire plein de trucs. Enfin, j'imagine que vous aussi. La flemme, c'est vraiment un truc qui nous tombe dessus. Après ouais, c'est un peu des problèmes de... Enfin, j'ai l'impression que la flemme, t'as la flemme quand t'as pas de problème et que tu dois t'en trouver. Mais je sais pas, genre je suis tout le temps fatiguée, mes devoirs et tout, j'ai carrément la flemme. Et donc je pense que les vlogs, ça va m'aider à arrêter d'avoir la flemme. Parce que je me mets un objectif et vous voyez, si je m'écoutais, là je ferais pas de vlog aujourd'hui, si je m'écoutais, je rentrerai dans mon lit et j'irai dormir. Sauf que je pense qu'il faut vraiment se bouger dans la vie. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se force à faire des choses et à être productif. Donc là par exemple, au lieu de me coucher, je vais faire mon montage de vlog, je vais prendre du café pour y remédier. Je vais aller à la salle parce que en ce moment je fais beaucoup moins de sport et ça me manque beaucoup, mais à chaque fois voilà, le soir je rentre chez moi, je m'affale dans mon lit et je ne fais pas mon petit sport. Et puis aussi il faut que je me mette à bosser, même si je bosse déjà, il faut vraiment que je travaille, que je fasse mes devoirs, que je sois plus productive, beaucoup plus efficace. Ça, un petit conseil pour ceux qui veulent vraiment être plus productifs, mettez-vous dans un lieu dans le cadre de votre lycée. Donc par exemple, mettez-vous au CDI tout seul ou quoi. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'apprécient pas le CDI, mais je pense que si vous voulez vraiment bosser, c'est la meilleure façon. Plus productif en général, mettez-vous, voilà, comme je vous disais le premier jour, des objectifs, mais surtout pensez aux journées d'avant, à votre vie il y a un an et tout, et demandez-vous de quoi vous vous souvenez. Par exemple, imaginons si là je vais dormir aujourd'hui, ok, dans un mois, est-ce que je me souviendrai, ah, je suis rentrée d'un week-end scout et j'ai fait que dormir toute la journée. Alors que si je vais sur ma chaîne YouTube et je vois que j'ai fait un vlog, que je me souviens d'être allée à la salle, je me dis, oui, ah bah ça y est, j'ai fait un truc efficace, j'ai bougé mon cul et je me suis bougée, et au final j'aurai des meilleurs souvenirs. Et ça marche pour tous les gars, ça marche pour le sport, les devoirs, les potes, sortez, bougez-vous, soyons productifs ensemble. Donc les gars, je vous retrouve, il est 22h, alors j'ai pas revlogué aujourd'hui, parce que justement je combattais un peu la flemme, et dans mon combat contre la flemme, il y avait aussi ma bataille pour faire mes devoirs, ma bataille pour faire du sport, comme je vous ai un petit peu montré précédemment. Donc voilà, j'avais pas eu trop le temps, et... je préfère pas me forcer à vlogger, donc voilà, juste pour vous dire quelques petits mots. Par rapport à la semaine prochaine, il va y avoir plein de contenu sur la chaîne, parce qu'il y a des trucs pas cool qui vont se passer dans ma vie, un truc particulier, et mes potes comprendront, et si vous me suivez sur Insta, vous comprendrez peut-être. Je peux rien dire pour le moment, parce que c'est une surprise pour mes petites sœurs en fait, donc au cas où des gens verraient ce vlog ou quoi, faut pas trop qu'elles m'entendent d'ailleurs. Donc vous allez voir, et j'espère que ça vous plaira, même si ça plaira peut-être pas à tout le monde, ça pourrait être sympa. Et je voulais vous remercier de regarder mes vlogs, de les liker et tout. J'espère que certains de mes trucs peuvent être utiles, et n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, même si aujourd'hui il n'était pas super développé. En soi, j'essaie de faire passer vraiment un message dans mes vlogs, enfin je sais pas si vous comprenez, mais c'est plus forcément un message qui me concerne, c'est un message qui concerne plein de gens, qui concerne tout le monde. J'essaie de moins faire des vlogs centrés sur moi, voilà, parce que je pense que YouTube c'est pas forcément juste un réseau social narcissique ou quoi comme certains le pensent. Donc ce sera tout, n'hésitez pas juste à me donner votre avis, à me dire ce que vous pensez des vlogs. Je vous dis une bonne nuit, même si vous regardez sûrement ce vlog à 18h et